You're the God who opens doors no one can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of everything, no one like you. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you, Eze. No one like you. No one like you, Master. No one like you. Hey! You're the God of everything. No one like you. Je sais que vous paraissiez abandonné. Vous croyez que votre vie est finie. Chérie, ta période de bonheur qui est en train d'arriver là, c'est un degré que toi-même, tes choses vont commencer à bouger au jour le jour. Au jour le jour. Femme. Au jour le jour. Écoute bien, au jour le jour. Écris cela au jour le jour. Ta vie ne sera plus la même. Wow. Oh Seigneur. Avant vos choses étaient bloquées. C'est quand tout est le plus noir et le plus désespéré que tes choses sont en train de bouger. Ma chérie, discipline-toi spirituellement. J'ai passé toute une journée où tu as consulté. Et c'est les mêmes séries de choses qui reviennent. Peut-être que tu m'écoutais, tu n'as même pas 1 euro dans ton compte. 1 euro. La vie, c'est comme des mathématiques. Tout aspect de ta vie qui a échoué jusqu'à présent, c'est parce que tu ne connaissais pas. Hey! Seigneur, pourquoi on ne m'a pas enseigné ça depuis? Pourquoi on ne m'a pas enseigné ça depuis? Ça tue ta tête avec les enseignements. Écoutez, je passe mes journées à faire, soit je suis en train de faire le direct, soit je suis en train de consulter, soit je suis en train de faire vos travaux spirituels. Sature ta tête avec les enseignements qui vont te booster. Et c'est qu'il y en a parmi vous, vous avez 50 coachs que vous suivez. C'est cette prostitution-là qui ralentit encore ton énergie. Trouve 1 ou 2 personnes. Bloque sur les personnes-là. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Parce qu'en une journée, tu regardes 50 coachs et tu n'as que 8 heures éveillées. Tu vas faire comment? Tu ne peux pas dire que tu vas changer ta vie en regardant 2 minutes de vidéo par jour. Sature-toi de l'énergie ici. Crois que tu peux. Je vous annonce chaque jour ici, là, vous croyez que c'est la blague. L'affaire ici, ce n'est pas la blague. Il y a les principes que je vous enseigne tous les jours. La dîme. Je crois que maintenant, votre esprit est déjà un peu préparé à la dîme. Peu importe ta religion, ton continent, ta couleur de peau. Sors ta dîme, tu payes.
offrande, lavage au sel. Parle à tes ancêtres. Parle à tes guides. Choisissez bien qui vous écoutez. Choisissez qui vous écoutez. Facebook, comme vous voyez cela. TikTok, comme vous voyez cela. Tu peux rester le matin comme ça, l'esprit te dit que non, aujourd'hui tu vas avoir ta percée financière. Au lieu de croire, tu tombes sur une vidéo comme ça, là, la vidéo te dit non, tu sais. Bon, vraiment, le processus, ça prend du temps, tu sais. On te dit tant, tant, tu tombes dans les gna gna gna. Beaucoup d'entre vous, si tu m'écoutes avec toutes les folies que j'ai fait là, jusqu'à tu arrives à persévérer jusqu'à regarder mes vidéos. Il y a quelque chose en toi qui te parle. Tu sais que c'est ta saison. Tu sais que c'est ta saison. Ce n'est pas ta saison seulement dans les rêves. Les périodes où tu étais riche dans le rêve, là, c'est fini. Hein? Et avant, ça me faisait ça. Je reste comme ça là. Je rêve comment je suis habillée de d'or. Il y a une robe en diamant sur moi. Oui. Ah. Pardon, je me réveille, je suis dans la pauvreté. À un moment, Dieu m'a dit que ma chérie, ce n'est pas ta portion là-bas. Attendez, je vais épingler ma page Facebook ici là, si vous allez voir. Tu restes comme ça là. Ta vie ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu restes. Tu dis que, hé, Seigneur, tu es malade. Vous n'êtes pas tombé sur ma page. Beaucoup d'entre vous, quand je vous parle, il y a d'abord deux choses que je veux savoir. Est-ce que tu as désiré me rencontrer? Est-ce que tu as désiré tomber sur ma page? Je vous dis, je ne suis pas là pour les followers. Je veux les gens que tu es prêt pour transformer ta vie. Tu es prêt, donc. Je ne veux pas les pleurs. Je veux pas. J'ai consulté une dame tout à l'heure. J'ai commencé à la consulter hier. Une femme qui a contrôlé tellement d'hommes riches. Dans son énergie, elle sent qu'elle n'est pas pauvre. Tout ce qui l'intéresse, malgré tout ce que je lui dis d'elle. Ma maison, on va bientôt m'expulser. Je fais comment? Il dit, ouais. Où elle a reçu quelle lettre aujourd'hui? Elle me contacte aujourd'hui. Oui, dis-moi, je fais comment pour ma maison? J'ai dit, ouais. Oh. Tu dois être coach. Tu as le pouvoir de guérison. L'argent est ta portion depuis que tu as même 20 ans. Tu devais être riche depuis que tu as 20 ans. Tu es là à 50 ans. Tu es en retard. J'ai des périodes où j'ai dormi dans la rue. Pas au sol de la rue, mais j'ai garé ma voiture dans la rue. Je me suis couché dormi dedans parce qu'il n'y avait pas moi d'endroit dormi. Il y a les choses que vous vous accrochez sur ça. Que Seigneur, tu dois me bénir que ce soit ma maison. Peut-être la petite maison va te voir, te faire voir petit. Peut-être que ça te fait voir petit. Mon numéro est sur la page. Ceux qui veulent me contacter sur Facebook, sur TikTok. Ma chérie, la période de décision, c'est dans laquelle tu es là. Là. Les 40 jours de jeûne qu'on va commencer lundi là. Tu vas voir. Écoutez. Vous allez voir comment votre vie va changer. Je vous parle de pouvoir. Je vais activer le pouvoir qui est dans vous. On s'est trop moqué de vous. Tu as trop pleuré. Quelqu'un m'écrit et me dit que ne nous gronde plus trop. Je vais que gronder. Je vais que te gronder. Personne dans ton entourage ne te dit, ma chérie,
fais quoi, ma chérie? Concentre-toi. Seigneur. Dieu ne vous appelle pas. Dieu ne vous appelle pas pour vous laisser pauvre. Donc si tu tombes sur la page de n'importe qui te dit oui, peu importe sa spiritualité qui t'enseigne, s'il met la pauvreté dedans, qui tue sa page. Même si c'est moi qui te dis que tu dois être pauvre pendant un moment, qui tue, désabonne-toi, tu pars. On va jeûner de 6h. Ceux qui ne peuvent pas pousser jusqu'à 18h, vous faites 6h, 12h. Ceux qui ne peuvent pas pousser jusqu'à 18h, vous faites 6h, 15h. Et ceux qui peuvent, vous faites 6h, 18h, tous les jours. Pendant 40 jours. Vous mangez une fois par jour. Demain matin, je vais enseigner. Je vais commencer à enseigner à partir de demain sur le jeûne. Comment se conditionner pour jeûner. Je veux que vous changiez les échelons géographiques de votre vie. Les échelons financiers. Tu n'as pas de compétences. Donc le genre d'argent que tu peux avoir dans ta vie, c'est seulement 1000 euros, 1200 euros. Tu n'as jamais vu plus de 3000 euros dans ta vie. Tu n'as jamais touché. Jamais. Même si tu es à l'aide, mais toi tu fais. Le Seigneur n'a pas fini, l'enfant n'a pas quitté sur ça. Et quand tu jeûnes, il y a une façon de te conditionner pour le jeûne. Pas votre que vous jeûnez là, vous dites que je vais seulement réduire. Femme enceinte ne jeûne pas. Je ne suis même pas dedans. Femme enceinte, il ne faut pas que tu accouches un enfant chétif. Je ne veux pas que tu accouches au squelette. Femme enceinte, ne me suivez pas. Allaitante, tu peux. Parce qu'il y a vu ça dans la Bible. Mais enceinte, je vous en prie, ne me calculez pas avec ça. Tu ne peux pas jeûner parce que tu es malade, peut-être diabétique, hypertendue. Tu vas juste assister aux prières. Et tu cherches quelque chose d'autre dont tu te prives. Parce que jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. J'étais là tout à l'heure. Je vous ai envoyé dans le groupe WhatsApp le témoignage d'une dame. Elle est d'origine musulmane. Elle me suit depuis... Ça fait peut-être 4 ou 6 semaines que j'ai commencé à travailler petit à petit sur elle. Elle n'a pas commencé par son fils. Son fils était tellement têtu. Tellement têtu. Donc les heures de prière, c'est 6h, 12h, 18h. Il y a certains jours qu'on va faire minuit. Mais 6h, 12h, 18h. L'enfant était tellement têtu. Il sort, il dit qu'il part à l'école, il ne part pas. Pam, je fais le premier travail. L'enfant commence à repartir à l'école. L'autre jour, je dis, wow, on dit qu'on veut le renvoyer. Je fais encore le travail. Pam, elle dit que le professeur a dit que ça va aller pour lui. Après, il cherche le stage. Hier, elle me dit, pam, il a trouvé le stage. Elle m'envoie le message aujourd'hui. Demandez sur TikTok à entrer dans le groupe. Écrivez sur WhatsApp, vous entrez dans le groupe. Parce qu'il y a certaines prières que souvent je ne fais pas sur TikTok. Ni sur Facebook. Donc on se voit généralement sur Zoom. Je ne savais même pas qu'elle allait payer sa dîme. Parce que quand vous envoyez les paiements de dîme, généralement je ne vois pas tous. Aujourd'hui, elle me fait un message. Elle me dit, normalement, c'est elle qui fait les courses de la maison. Et quand l'argent de son mari arrive, ça paye les tontines et les dettes. Donc, qu'elle a reçu son salaire, premier cela, un paiement est passé dans son compte qui était exactement la même somme que son salaire. Donc, elle avait une perte. C'est que quand elle a reçu son salaire, elle a payé sa dîme pour la première fois. Et quelques heures plus tard, son argent disparaît. La même somme que son salaire. Donc, elle se retrouve à moins d'argent de la dîme. Donc, supposons que tu touches 2000 euros, tu payes 200 euros de dîme. Si on te retire 2000 euros de ton compte, tu te retrouves à moins 200 euros. Elle a lancé un jeûne aujourd'hui. Elle a jeûné aujourd'hui. Parce que quand on a payé son mari, ça fait quelques jours, l'argent de son mari est venu combler seulement les charges. Mais elle avait encore besoin d'argent pour payer les tontines. Maman. Elle commence le jeûne le matin. Ce soir, elle envoie le message seulement en criant. Je vous envoie dans le groupe.
Je ne masque pas. Mes témoignages, je les envoie crus. Même si tu fais l'erreur, tu dis que on le dit que j'envoie le on le dit que vous voyez vous-même. Je ne rectifie pas mes témoignages. Seulement quand c'est tellement mauvais que c'est illisible, que tu peux voir, si tu vois ton témoignage sur ma page, j'ai rectifié deux ou trois mots. Elle dit que voilà, à la fin de son jeûne, la même somme encore lui a été donnée, elle ne sait d'où. Écoutez, je vous enseigne souvent sur la dîme, sur la page ici. Si j'avais écouté son message quand elle n'avait pas encore reçu la somme pour combler son argent qui était parti, j'allais lui dire ceci. Quand tu commences les principes spirituels, tu laves, tu te laves au sel, tu payes ta dîme, tu commences à faire salaka, tu fais ceci, les attaques que tu auras. Et les premières attaques, c'est pour te décourager. Pour entrer dans le groupe, sur ma bio sur TikTok, vous avez mon numéro de téléphone, le lien WhatsApp. Cliquez dessus, vous entrez dans le truc, vous dites seulement que je veux participer aux jeunes. On va vous mettre dans le groupe WhatsApp que j'ai et dans le groupe de jeunes. Cliquez dessus, vous dites bonjour, vous vous présentez bien sûr. Parce que je ne veux pas les décepticons dans mon groupe. Je ne veux pas les décepticons. Tu te présentes, tu dis qui tu es. Et tu dis tu veux entrer dans le groupe pour le jeûne. Tu es partant pour le jeûne de 40 jours. J'allais lui dire que, ma chérie, l'argent qui a disparu là, c'est pour te tenter. C'est pour que tu annules le travail que tu as fait. Voilà un musulman qui paye sa dîme. C'est pour te tenter. Il y a les trous familiaux dans lesquels on vous a mis. Tu tournes, tu montes, tu descends, tu reviens toujours au même salaire. Tu montes, tu sors de la maison, tu dis que je n'habite plus avec ma mère. 6 mois plus tard, tu reviens, que tu as fait faillite. Il y a d'abord les chaînes sur tes pieds que tu dois enlever. Comme l'autre a dit qu'elle devait prendre son kit de fondation. Si on m'avait enseigné ce que je connais aujourd'hui, et je ne vais pas vous mentir, tout ce que je connais aujourd'hui que je vous enseigne, j'ai tellement souffert. J'ai désiré. Je remarque qu'elle était en Angleterre, sans papier. Je prie, je dis, Seigneur, pourquoi je souffre comme ça? Je sais qu'il y a quelque chose en moi, Seigneur. Que Seigneur, il y a quelque chose en moi. Oh. Après, c'est que Seigneur, montre-moi des choses, des formules qui vont rendre tout le monde riche comme il était censé être quand tu l'as créé. Seigneur, montre-moi les clés. Vous savez que quand je vous enseigne tellement comment payer la dîme. Et pendant qu'on va faire le jeûne de 40 jours, chaque jour vous allez donner une offrande. Voilà le nouveau challenge qu'elle vous donne. Chaque jour, même si c'est 50 francs, tu vas commencer à voir comment ton compte bancaire va s'ouvrir. Ton argent va s'ouvrir. Je vais briser les chaînes qui avaient sur vous là. Tu attends même, tu travailles même. Ça fait 3 mois, on ne t'a pas payé. Ça fait 4 mois, on ne t'a pas payé. Chaque jour, l'univers veut te donner l'argent. Par tous les moyens qui existent. L'univers dit que bon, on peut passer par ici là. Non, on peut passer par là-bas. Ouais, on va lui donner l'argent comment? L'univers veut te donner. Un jour, j'écoutais la prière. Je faisais repasser. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je récitais le nom de ton Père. Le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que chaque jour je veux donner le pain à mes enfants? Il dit, hein? Seigneur, I claim it all, I receive it all. À partir d'aujourd'hui, peu importe ce qu'il fait dans ma vie, il doit recevoir. Ça, c'était le début de l'activation. Il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un, quelque part, ne me vide l'argent que prend. Que ce soit service, qu'il a, parce que j'ai mes business aussi. Le secret de la prospérité, Seigneur. Seigneur. C'est ce que vous voulez, les maris, vous voulez les enfants. Prenez d'abord l'argent. Avec l'argent, on peut acheter beaucoup de choses. Amira, va sur ma page. Mets tes mégas de 500 francs. Écoute les vidéos, j'ai mis des shorts. Après, quand tu as un peu les méga, tu passes sur YouTube. Sur YouTube de Gifting Academy. Tu t'assois, tu regardes.
Il y a des jours où j'enseigne. J'ai fait le direct de 3h de temps le matin. Parce que c'est ça que j'ai encore fait le direct. Tout ça sera sur YouTube après. Tu pars, tu regardes. Donc, il y a le lien de mon WhatsApp dans ma bio. Cliquez dessus. Vous allez écrire en inbox que je veux participer au jeu. Le nom sur YouTube, c'est The Gift Digger Academy. Je n'arrive pas à épingler sur ma page TikTok. Je ne sais pas ce que TikTok me fait. Je n'arrive pas à épingler. Quand j'écris quelque chose, je ne peux pas épingler. Voilà, ça j'écris. The Gift Digger Academy. Ça me dit bien épingler le commentaire. Oh, ça épingle pour la première fois. Chaque fois que je vais épingler, ça ne donne pas. Merci TikTok, vous m'avez débloqué. Favor is my name. En tout cas, voilà ça qui est épinglé. Je ne sais pas si ça va disparaître parce qu'ils vont un compte à robot là-bas. Je vais vous lire le psaume ici. Heureuse est la femme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Planté près d'un courant d'eau. Hervé, comment tu vas? Tu as encore paru, hein? Tu te laves au sel. Je m'appelle ma mère comme ça, là. Mes enfants ne sont pas pauvres. Ce que j'enseigne, c'est là, je ne sais pas si tu pratiques ça. Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Voici la partie que je voulais vous dire. Tout ce que je fais me réussit. Commentez ça pour vous-même. Somme 1. Verset 3. Tout ce que je fais, ça donne. Allez-y. Je fais réussir. Bon, numéro de téléphone épinglé. Je vais vous reprogrammer. Je vais secouer votre tête comme ça là. Comme ça là. Ma chérie, tu vas réussir. Degré de force. Tu vas réussir. Certains parmi vous là que vous êtes les manipulateurs, je vous connais. Et les sceptiques qu'on a. C'est pour ça que tu me suis depuis 2 ans, rien n'est changé dans ta vie. Ce n'est pas parce que ce que j'enseigne n'est pas vrai. Parce que ton cœur est noir. Merci Prima. Ton cœur est noir. Tu m'as capoum. Oh you are. Change. Le Seigneur fonctionne avec l'esprit de vérité. Dieu fonctionne avec l'esprit de vérité. Deuxième chose, tu dois travailler sur tes choses à toi-même. J'ai consulté une dame tout à l'heure. Je ne l'ai même pas consultée d'ailleurs. Je l'appelle. Oui, je t'ai vu, je voulais la consultation. Tu te laves au sel. Souvent, hein. La discipline est nécessaire. La discipline. Wow. Un jour tu fais, 2 jours tu fais pas. 4e jour tu dis, ah, ma chérie, tu pars où? C'est pour ça que tes choses n'avancent pas. Voilà mon numéro WhatsApp sur la bio. Allez sur ma page TikTok. Vous regardez ma bio, s'il vous plaît. Et beaucoup d'entre vous, vos pasteurs vous ont dit,
Si d'abord tu vois ton pasteur est pauvre, il va te limiter. Est-ce que ce qui sort de la bouche de quelqu'un qui est pauvre peut t'enrichir? Soyez focus. Tu es dans ta famille comme ça là. Tu es dans ta famille comme ça. Depuis que tu as 20 ans, tu devais être millionnaire. Tu es là à 45 ans. À 45 ans, tu souffres. Peu importe ce que tu prônes en ligne. Que tu sois kamite, que tu sois traditionnaliste, que tu sois chrétien, que tu sois tout ce que moi je veux. Musulman, n'importe quoi. Peu importe ton statut dans la pauvreté, ce n'est pas doux. La pauvreté fait vous rentrer dans des relations que vous ne voulez pas. Vous commencez des choses, vous vous compromettez. Oh là là. Si j'avais une grande soeur comme moi, parce que je suis premier enfant. Je suis premier enfant. J'avais une grande soeur comme moi qui me giflait avec la bouche comme je vous gifle tous les jours ici. Tout ce que je sais, c'est que ta saison est arrivée. Discipline-toi. Maîtrise-toi. Sème. Si c'est le sport que tu as envie de faire, sors, tu vas faire le sport. Lance ta page en ligne. Ton problème, c'est quoi, mamie? J'ai consulté une dame tout à l'heure. Elle sait que son mari, au moins trois d'entre elles, elles savent qu'elles ont des relations dégueulasses. Ah, je vais encore voir un peu. Même ma confirmation ne va pas faire, tu vas quitter. Tu vas toujours rester là. Tu restes, on suce ton énergie. On suce ton énergie. Tu veux, mais tu ne fais pas. Tu veux, mais tu ne fais pas. L'argent ne vient pas sans action dans ce monde. Si elle parle ici, quelqu'un dit que je suis en train de parler pour escroquer les gens. J'ai dû mettre le téléphone appuyé comme bien. J'ai dû faire une action. Vous êtes couché sur le canapé, vous n'agissez pas. Parfois, tu as même l'idée que paye ta dîme. J'ai une dame qui m'a dit avant-hier dans la nuit, elle paye la pension de sa fille. 2 700 000 au Cameroun, s'il vous plaît. Elle a deux enfants. Elle dit, yes, mamie, de jambes, c'est bien ça. Elle paye sa dîme. Non, tous les deux jours, elle m'envoie au moins les 10, 15, 20 000. Dîme, 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 dîme. Elle me dit, l'école de ma fille m'a dit que l'année prochaine, j'ai une bourse, elle a obtenu une bourse. Au lieu de 2 700 000, je vais payer 900 000 francs. Et les faveurs financières. Et les réductions qu'on va vous donner dans les emplois. Avant, tu sors ton argent, tu achètes un terrain. On dit terrain litigé. Tu fais 10 ans au tribunal. En 10 ans, tu aurais pu rentabiliser la maison là jusqu'à ce que tu as ton argent dans ta poche. Il y a certains problèmes qui n'arrivent plus au choisi après. Il y a certains problèmes que tu ne peux plus connaître. Il n'y a que les connaisseurs qui connaissent l'histoire de la dîme. Ta dîme, c'est 10% de ton revenu. L'autre, tout à l'heure, ça fait même pas 15 minutes avant que commence le direct, 3 minutes avant de lancer le direct. J'étais en train de comptabiliser ma dîme pour payer. Ça prend du temps, parce que je fais électroniquement. Ça prend du temps, je tape, je compte, après je vois, après j'écris mes voeux, j'écris. Tout ce temps, ça a pris du temps, quoi. Quand j'envoie, le compte me dit que mon solde a considérablement augmenté. Parce que pendant que j'envoyais, quelqu'un était en train de m'envoyer sa dîme. Il dit que, oh Dieu, oh Seigneur, que les gens comprennent. La dîme, c'est comme une alliance. Quand tu payes ta dîme, tu sens que tu peux rêver, tu peux oser. You have a solid ground.
La dîme se paye. Là, là où tu es nourri spirituellement. Et assure-toi que là-bas, tu reçois les bons enseignements. Pas vos paroisses que vous partez. Tu arrives là-bas. Dès que tu arrives à l'église, tu dors tous les jours. Cherche là où il y a l'onction. Tu dis que tu es étudiante, tu n'as pas encore pour payer ta dîme. Même 50 francs, c'est la dîme, ma chérie. C'est pour ça que tu es tout bloqué. Qui t'a dit que c'est quand on finit d'étudier qu'on doit avoir l'argent? Tu vois, il y avait des gens de 20 ans qui ont l'argent. Qui sont millionnaires. Hein? Voilà qui m'a posé en ligne avec ses 19 ans qu'elle a l'argent. Et si étudiante, reste dans ton petit étudiant là, ma mère. La dîme de papa à l'orphelinat, ma chérie. Never. Le jour où tu as besoin de prier, ce sont les orphelins qui vont te prier pour toi. Le jour où tu as besoin d'enseignement spirituel, ce sont les orphelins qui vont t'enseigner. Sachez donner à qui de droit. Voilà. Je n'aime pas trop enseigner sur la dîme sur TikTok. Parce que les gens, TikTok est tellement mélangé. Parfois, sur 100 personnes, il y a quand même une personne qui dit que non. Tu étais venu sur TikTok pour moi. Tu es venu sur TikTok seulement pour moi aujourd'hui. Je vous ai dit que pendant les 40 jours de jeûne, si préparez-vous. Chaque jour, vous allez faire une offrande. Vous allez envoyer l'offrande chez moi. Et je vais vous bénir avec ça. Chaque jour, tu dois avoir quelque chose qui a bougé dans ta vie. Voilà ton challenge. Donc, préparez déjà Dieu. Seigneur, comme je me prépare, les 40 prochains jours, quelque chose doit bouger dans ma vie. Chaque jour, je dois avoir un témoignage. Vos visas, vos mariages, vos grossesses, vos promotions, vos business. Vous avez trop dormi. Hey, Dieu! Je déclare sur vous la discipline. Écoutez, au départ, quand tu viens d'apprendre les principes, je vois des citations, je vois que tu as bien retenu. Parce que je vous ai très souvent enseigné sur ça. 10% la dîme, 5% les offrandes, le loyer 20% de ton revenu, les dettes 20% de ton revenu. Il y a plein de trucs comme ça. J'ai enseigné dessus. Je vois quand il voit que tu mets les pourcentages, ça veut dire que tu connais déjà. Marianne, j'honore cela. La Bible dit que nous sommes des dieux. I receive that. Vous allez pousser votre vie que ça va avancer. Celle qui me demande comment se laver le sel, sort du direct, tu peux regarder sur ma page. J'ai mis ça sur TikTok. Si tu ne veux pas regarder, tu laisses. Je suis arrivé à un moment où je ne veux plus essayer de convaincre les gens. Et ce qu'il y en a parmi vous, dans votre famille, tu ne veux plus, donc tu es calme. Quand tu arrives aux réunions familiales, on parle, tu es comme ça. Tu ne parles pas, Diane. Non, 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 vous avez fini. J'ai dit ok, pas, tout ce que vous avez dit, c'est ok. Parce que tu sais que ton énergie, ce n'est pas pour aller t'engueuler. Avec les gens. Diminuer ton énergie. Si ces personnes-là t'aimaient, ils t'auraient enseigné les choses qui allaient te faire progresser. Non seulement ils t'ont pas enseigné, tu ne connaissais pas te discipliner. Tu ne connaissais même pas prier. Combien d'entre vous vous connaissez maintenant prier? Ma chérie, ce n'est que le début. Je dois appeler les 40 jours, c'est la next level. Ma chérie, tu dois voir la Range Rover devant ta maison. Tu dois voir. Si c'est ça ton objectif. Mais si vous me suivez bien, parce que je suis entrepreneur et je vous enseigne l'entrepreneuriat. Je parle avec ma première fille aujourd'hui. Elle a 18 ans. Elle me dit, je lui envoie des vidéos de grandes maisons aux États-Unis, 6 millions de dollars comme ça là. Elle regarde. Je lui dis que voilà ce que je vais bientôt construire ici au Cameroun. Elle dit, ah, c'est bien. Ok, quand moi je vais faire mon... Parce qu'elle est en train de danser, elle a son business. Je vais acheter ma voiture. Je lui dis, ma chérie, on investit ce qui va te donner. Vous vous rappelez les soirées où j'enseigne sur l'entrepreneuriat? Premier agent qui touche ta main, salaire ou pas, après que tu aies payé ta dîme, c'est ça c'est d'abord ton enfant. Tu sèmes, tu investis.
Ce qui sort de là, ton petit-fils. On ne mange pas son petit-fils, ma chérie. On n'achète pas son petit-fils pour porter sur son corps. On ne porte pas son petit-fils sur son corps, ma chérie. On sème son petit-fils à nouveau. Laissez. Je vais faire de vous des femmes d'affaires et des hommes d'affaires. Les choses qui vous ont appauvri, vous l'avez lavé ça de votre cerveau. Et je vous dis encore, je ne cherche pas la masse. I'm looking for the few. Si c'est toi qui dis que je suis là, je suis là, je suis là. I'm looking for the few. Tu prends ton petit-fils. On ne porte pas son petit-fils. On ne mange pas son petit-fils. On n'achète pas son petit-fils. On ne prend pas son petit-fils pour acheter la voiture avec. On fait quoi? On sème son petit-fils. Quand tu es au niveau de petit-fils, ton argent est augmenté dans ta main. C'est en train d'augmenter dans ta main. Il donne ton arrêt petit-fils. Mais n'oublie pas que ton fils produit. Ton petit-fils produit. Quand tu sèmes, tu obtiens l'arrêt petit-fils. Qu'est-ce qu'on fait de l'arrêt petit-fils? Vous connaissez la règle. On fait quoi? On fait quoi de l'arrêt petit-fils? Écrivez vous-même. On sème son arrière petit-fils. Tu le sèmes encore. D'ici peu, tu auras un champ d'arbres qui produit. Si chaque arbre te produit, tu as 1000 générations de semences qui donnent des arbres. Tu arrives à un niveau où chaque arbre te donne 1000 fruits. Multiplie, tu fais la dute. C'est comme ça qu'on devient milliardaire. C'est comme ça qu'on devient milliardaire. Écoutez, je prophétise. Tu vas devenir la première milliardaire de ta famille. Ne me mettez même pas les devises de milliards. Parce que peu importe le pays où tu es milliardaire, tu es riche. Si c'est le Naira, tu es riche. Le CFA, tu es riche. Peu importe le pays, si on dit déjà que 1 billion, tu es riche. Tu seras le premier milliardaire de ta famille. Je prophétise ça sur toi. Tu as bien dit citation. On sème tellement jusqu'on arrive même plus à estimer sa dîme. Tu payes la dîme seulement jusqu'à tu dis bon, I dash you with this. Peut-être ça c'est la dîme, peut-être c'est l'offrande, je ne connais même plus. Tu vois, moi c'est clair dans ta tête, non? Tu vois comment ça enrichit, c'est clair, non? On vous a trop embrouillé avec la société, vous a trop embrouillé. Oui, tu fais 10 ans quelque part, tu quittes de 1500 euros à 2000 euros. Pendant que les gens sont de 1000 euros à 300 000 euros, 400 000 euros en 10 ans, 1 million d'euros. Hey, Dieu, papa Dieu. Hey, this God is too good, oh. I will worship you forever, love you forever, because this God is too much, oh. This God is too much, oh. Hey, tu m'as vu, j'ai pas venu me parler. Ah. Glow shine. Oh. Peut-être tu n'auras plus jamais l'opportunité de me voir. This God is too good, oh. Hey, même les habits pour porter. C'est maintenant que j'achète les habits. Hein. Je suis en mode sémence, sémence d'arbre. Et j'ai dit à ma fille ceci. Si tu comptes acheter la voiture, tu dois avoir un business de livraison. Tout ce que tu sors, c'est pour business. Tu te mets quelque chose, même le téléphone. Tu peux te permettre d'avoir un téléphone de 1 million de francs CFA. Du moment où ça te produit de l'argent. Et ça ne te produit pas 100 000 par jour, s'il te plaît. 400, 500 000 francs par jour, minimum. Quand tu achètes ton téléphone, en une semaine, tu dois rentabiliser ce téléphone. Écoutez, moi, quand j'achète quelque chose, je place les demandes sur ça. Ah. Quelqu'un m'a dit que je suis trop, quoi, là. Que j'utilise les gens. Oui. Je dis à mes employés.
Je t'emploie parce que tu me donnes l'argent. Oui. Assure-toi que tu me donnes de l'argent. J'achète un habit. Assure-toi que tu me donnes l'argent. Que voilà, tu dis, tu vas acheter le sac Louis Vuitton. Tu veux impressionner qui? On n'est pas pressé, ma chérie. On n'est pas pressé. Tu sais comment ça a le goût quand tu peux sortir ton argent pour investir sur ton propre business? Quand tu veux investir ton argent sur ton propre rêve? Tu as le rêve depuis d'ouvrir ton shopping. Tu as le rêve de chanter. Tu as le rêve de voyager. Tu n'as pas l'argent, non? Steph, ça fait longtemps. Comment tu vas? Hein? High five. Tu connais le goût que ça a quand tu sors ton arbre. Ah! Mesdames, ça a le goût. Ça a le goût. Il est sweet. Hey! Congratulations! You have seen the glory of God. Stéphane, je vais très bien. Congratulations! And he has done it for me. Wow, I will come back with a new song to sing. My God is good, oh. Vous allez quitter votre entourage. Elle cherchait qui devait la sponsoriser ici depuis. Elle cherchait qui devait la sponsoriser ici depuis. Hé, maman, c'est elle qui a sponsorisé son album. Hein. 6 millions. Elle est en tournée, elle paie son billet elle-même pour aller. Oui, ma chérie, tu loues la salle. Tu fais ta... Oh! Tu ouvres même, l'entreprise de production. Je prophétise sur vous, hein, que tout ce que vous avez demandé dans votre vie, on ne vous a pas donné. Tout ce que vous avez demandé, on ne vous a pas donné. C'est maintenant vous qui produisez ça, au nom de Jésus. On a trop fermé votre vision. L'abondance. Hey! Quand je tournais les cartes, c'est l'abondance. Quand je me disais, est-ce que tu vas sortir la carte de l'abondance? L'abondance. Bonjour coach Célo, merci pour le cœur. L'abondance. Et c'est effectivement quand elle sort l'abondance que tu donnes, je prophétise l'abondance sur toi. Que ce mois de juin t'apporte le genre d'argent que tu n'as pas encore vu. Je déclare que tu as accompli tout ton cycle karmique, toi coach Célo. Je déclare que tu as accompli ton cycle karmique et que c'est maintenant que ça entre au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a souvent les dettes que vous devez payer, non? Les dettes spirituelles. Vous savez ça, non? En fait, les leçons que tu devais apprendre. Tant que tu n'apprends pas totalement, on ne te donne pas. Des cas que tu as fait. Voilà, vous êtes haut placé dans le monde spirituel. Parfois, quand on te dit ça, tu dis que, ah, que si tout le monde aussi, est-ce que si, et si tout le monde est haut placé dans le monde spirituel, ça ne dérangerait pas. Si tout le monde est riche, ça ne dérangerait pas. Je vous ai dit que je vais organiser les conférences. Le ticket d'entrée, c'est de montrer sa Bentley ou la Lamborghini dehors. Tu n'as pas ça, tu n'entres pas. Même s'il faut que tu partes louer. Vous allez vous voir grand. Merci pour la casquette, Stéphane. Vous allez vous voir grand. Vous allez vous voir grand. Il y a la place. Il y a la place. Sors de ta pauvreté mentale là. Il y a la place. Beaucoup d'entre vous, vous allez voir les synchronicités, les heures miroirs. Chaque fois que tu vois l'heure miroir, rappelle-toi seulement, ouh, je suis abondante. Ouh, ma richesse est là. Ma saison d'abondance est là. Papillon, oiseau, un miroir. Quand tu vois tout ça, rappelle-toi toujours. Mon agent est là. Yes. C'est là pour te rappeler ça, ma chérie. Merci, la reine. Il y en a ici, vous avez du sang ancien. Vous venez de l'eau. Vous savez, le monde sous-marin, c'est un monde abondant. Beaucoup d'entre vous êtes des sirènes. Avec des vieilles âmes. Donc, vous me regardez, vous riez seulement que la vie, c'est là. Je ne dévoile pas toutes nos choses, ok? Vous avez des pouvoirs de guérison. Vous pouvez guérir à distance, vous pouvez toucher les gens et guérir. Vous avez des capacités naturelles pour guérir. Vos rêves sont en train de se réaliser. Your dreams are coming true. C'est ta saison. Tu vois l'oiseau, tu vois le papillon.
Ne me demande plus ce que ça veut dire. Déclassement. Voilà ma bonne nouvelle. Voilà mon argent. Beaucoup d'entre vous, vous avez des pouvoirs de voyance. Je réveille et j'active ces pouvoirs dans cette saison. Vous êtes des guérisseurs. Et les premières personnes que vous allez guérir, c'est vous-même d'abord. Vous êtes protégés. Les anges vous protègent énormément. J'enlève la peur de votre esprit. Chaman, vous êtes des chamans. Des leaders spirituels, des guérisseurs spirituels. Je n'attire pas n'importe qui est des descendants de Jésus. Jesus descendant. Il y a au moins 2 milliards de personnes sur TikTok. Les 166 personnes qui sont connectées, c'est exactement ceux qui connaissent et qui doivent recevoir ce que j'ai pour eux. C'est ça. Wake up, réveille-toi. Ta saison est là. Tu es en train de te connecter avec tes aides de destinée. Tu es en train de te connecter. Vous allez aussi avoir des rêves très lucides. Excusez-moi, des rêves très lucides. Dans les rêves, vous allez vous voir en train de guérir des gens. Vous allez vous voir en train de parler à beaucoup de personnes. Ça, c'est vos signes. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Wouhou! C'est votre saison d'activation, oh! Je suis désolé, oh! I just said it all. That's all I have to say. Wow! L'arc-en-ciel, voilà vos choses. Certains secrets cachés vont vous être... Beaucoup de personnes, beaucoup. Vous devez travailler avec... Appeler beaucoup Jésus. Beaucoup. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, bénédiction. Quand tu vois l'arc-en-ciel, tu dis, moi, je te reçois. Ton nom a du pouvoir. Ton nom a du pouvoir. C'était juste un bon coup de pouce que je venais t'apporter. Je souffle la paix sur toi. Je souffle. Reçois. J'active ton ADN, j'active tes os. Je réveille le lion qui est en toi. Toute personne décepticon qui était à côté de toi, ces personnes partent seules. I see you rise. You're rising from your ashes. You're becoming powerful. Your DNA is activating. You're upgrading. Vous sortez de vos maisons sales, sales là. Vous aménagez dans des maisons nouvellement construites. Si ce n'est pas quelqu'un qui construit pour toi, c'est toi-même qui construis ta maison pour aménager dedans. Vous n'habitez plus dans des taudis. Je vous sors des vieilles maisons, mal, avec des mauvaises lumières. Tout ce dont vous manquez dans vos maisons. J'arrange votre environnement au nom de Jésus. Merci Cécile. Je sens que quelqu'un ici là, tu voulais déménager depuis là, mais tu faisais genre, tu faisais comme ça. Je veux, je ne veux pas. 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 Lance-toi ma chérie. Vous allez avoir plusieurs résidences. Et vous allez payer toutes ces résidences. Toutes. Vous aurez des résidences dans multiples pays même. J'enlève toute envie de pauvreté de votre esprit. Vous perdez le goût au ralentissement. Une fois je sortais avec quelqu'un, moi je partout où je passe, je dis toujours, j'aime laisser les gens avec un bon air. Tu vas entrer dans la voiture, il va vouloir discuter le prix des choses. Il va vouloir. Et quand les gens finissent avec lui, ils sont tous fâchés. Je lui dis non, je ne suis pas comme ça. Je laisse toujours des traces de bonheur partout où je passe. Les agents de lumière laissent toujours des traces de bonheur. Tu prends la maison de quelqu'un, c'est gâté. Quand tu sors de sa maison, il va louer sa maison au double du prix qu'il te louait. Parce que tu as apporté la lumière. Nous apportons la lumière partout où nous passons. Je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Ok? Vous n'êtes pas seul. La saison est arrivée et les agents de lumière sont en train de se réveiller. Les agents de lumière sont en train de devenir les gens les plus puissants financièrement sur la terre. Vous n'êtes plus seul, ok? Ils se reconnectent entre eux. Ils sont en train de se connecter. Ils sont en train de s'encourager. Ta saison est là. Donc arrête de douter de toi. Arrête de fonctionner en ralentissement. Où est le lion qui est là derrière, non? Je vois un lion qui rugit en toi. Allez, laisse-toi, laisse-la, laisse que ça se passe. Allez!
Tu vas avoir l'image d'un rugissement. Je dégage toutes les chaînes qu'il y avait sur toi. Toutes les chaînes qu'on avait mis là. Katy Perry a chanté une chanson qui s'appelle Roar. R-O-A-R. C'est comme le rugissement du lion. Roar. Que le lion qui est en toi rugisse. Que ton esprit dégage. Donc, pendant les 7 prochains jours, levez-vous, bénissez votre ville. Ça, c'est un exercice que je vous donne pour étendre votre pouvoir. Pour étendre ton pouvoir d'action, ton énergie. Your energy field. Energy field. That's how we call it. Tu étends ton énergie. Merci pour les lunettes. Que ton énergie prenne la terre. Que tes clients qui avaient promis qu'ils vont t'acheter tes produits là, ce soir, tu vas avoir les commandes qui vont entrer. Parce que ton énergie a shifté. Donc j'ai bien précisé ceci. Vous vous levez le matin, vous allez à votre fenêtre. Ceux qui sont dans la maison à l'étage, c'est super. Ceux qui sont dans la maison où vous êtes seul. Vous voyez, quand tu fais l'amour, ton voisin ne peut pas cogner le mur que... Je vous ai dit, il faut avoir des manoirs, ok? Vous devez avoir des manoirs. Continuons. C'était une parenthèse. Je ne veux pas heurter les gens qui sont dans les chambres de 20 000. Continuons. Donc, tu te mets dehors. Tu regardes le ciel. Si tu es au-dessus de la ville, tu regardes la ville. J'aime bien faire ça. J'ai un appartement à Libreville où j'ai l'arrière-plan qui donne sur tout l'espace. Je peux voir une grande partie de Libreville à partir de l'arrière de mon balcon. Donc, bénis cette ville d'abord. Et quand tu bénis cette ville, vois des petits papillons qui sortent de ton cœur et qui vont se déposer sur chaque maison. Souhaite la paix dans chaque maison de cette ville. Que chaque foyer où il y a des problèmes, chaque personne qui est dans la rue, qui manque à manger ou bien qui n'a pas de logement, que ces personnes trouvent. Voilà, super. Si tu as une vie sur l'aéroport de Libreville, c'est parfait. Faudrait m'inviter chez toi, Amanda. Il faut que je voie ça. La nuit, c'est super. Voilà. Donc, mais les agents de lumière, très, très souvent, aiment bien les hauteurs. Parce qu'il y a cette vue-là, ça a quelque chose de spirituel. I just love it. Ça fait, quand je suis là, j'ai l'impression que je domine la ville, en fait. Je l'ai passé comme ça. Ok. Donc, tu vas souhaiter que s'il y a des personnes sans abri dans cette ville, s'il y a des mendiants, s'il y a des femmes qui sont battues ou bien peu importe le genre de tristesse qui peut être dans le cœur de quelqu'un, tu souhaites que ces papillons se déposent chez cette personne, sur cette personne, et que ceux qui sont sans abri trouvent un endroit où dormir, ceux qui n'ont pas à manger trouvent à manger, ceux qui ont perdu quelqu'un trouvent le réconfort. Mm-hmm. Formulez ça comme vous voulez et vous libérez. Parce que le travail qu'on est venu faire sur la terre, on doit le commencer. Faites-le généralement vers 6h. 5h30, 6h, s'il vous plaît. Je vous bénis. J'étends ma main sur chaque personne dans votre maison. I bless you. Certains d'entre vous, vous allez me voir en rêve cette nuit. Ceux qui ont réellement reçu ce que j'ai donné. Vous allez me voir en rêve cette nuit. Soit on sera en train de manger ensemble, soit on sera en train de marcher, soit on sera en train de te parler. Soit je serai en train de t'habiller, de te recouvrir de vêtements ou de couronnes. Je vous bénis. Je vous active. Je vous active. Les agents de lumière n'ont plus droit à la pauvreté et à se cacher. Sortez de vos cachettes. J'ai fait une chanson et à la fin de cette chanson, le Saint-Esprit m'inspira à dire ceci. I'm the light of the world, see the sun on a hill, everything I touch turns in gold. Je suis la lumière du monde, je suis une cité placée sur une montagne. Tout ce que je touche se transforme en or. Et à la fin de cette chanson, je dis, le moment est arrivé. Sortez de vos cages. Libérez les autres. Le moment est arrivé. Sortez de vos cages. Libérez les autres.
Vous avez des livres à écrire. Vous avez des conférences à tenir. Certains d'entre vous, vous devez quitter l'Europe pour rentrer en Afrique. Et votre lumière, les sorciers ne pourront rien contre vous. Je vous l'annonce d'abord. Les sorciers ne pourront rien contre vous. Beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués en Europe parce que vous avez peur des sorciers en Afrique. Ils sont petits. Ils sont petits concernant par rapport à votre lumière. Vous me suivez? Vous me suivez? Il y a quelqu'un ici que tu es en Afrique depuis quelques années, tu souffres énormément. Tu manques d'argent. Tu as une vision, mais tu t'es senti affaibli. On t'a lancé des flèches mystiques. J'enlève les flèches de ton cœur à cet instant. J'enlève les flèches de ton cœur à cet instant. Je restaure tes bras. Je remets les forces dans tes bras. Cette nuit, tu vas sûrement voir comment on vient te montrer le chemin ou comment on vient te sortir d'un trou. Je te libère à cet instant quand tu m'écoutes. Que tout ce que tu as perdu depuis que tu es arrivé en Afrique, que tu le retrouves. Mettez la main sur la poitrine. Je libère la puissance qui était cachée en vous. Je m'accorde avec vous. La Bible dit, selon Matthieu chapitre 18 au verset 19, si deux personnes s'accordent, tout ce que ces personnes demandent vont leur être accordé. Au verset 18, Matthieu 18, verset 18, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Je m'accorde avec vous et je vous détache. Je détache vos finances. Selon le psaume 105, verset 18 et 20, je détache vos pieds. Je commande aux dominateurs des peuples de vous libérer. Tout peuple où vous êtes, toute nation où vous êtes, et ils ont attaché les membres de cette nation, les habitants de cette nation, je vous libère au nom de Jésus. Je commande aux dominateurs des nations de vous libérer. J'enlève les fers qui étaient sur vos pieds. Je libère vos ailes pour que vous puissiez voler. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, ton animal, c'est le lion. Ce lion, je sens tellement ce lion-là. Ton animal, c'est le lion. Et tu sais, tu as commencé sur les réseaux sociaux, on t'a touché. Tu es rentré en arrière. Le lion qui dormait est en train de se réveiller. Ça, c'est mon point pour toi. Le lion qui était en toi, qui dormait, est en train de se réveiller. Et il me dit de te dire que tes ennemis vont regretter. Ils vont regretter. Ils vont regretter de t'avoir fait du mal. Je déclare ta victoire sur tout ennemi. Je déclare. Il y a même quelqu'un ici, tu dois acheter carrément là une bague en lion. Tu dois prendre peut-être un collier. Achète quelque chose qui porte le lion. Ouais, celui que j'ai mis là-bas dans mon bureau. On ne peut pas vous faire de mal. Ils ne savent pas qui vous êtes. They don't know who you are. And by the way, you forgot who you are. Tu as oublié qui tu es. Je suis là pour te rappeler. Tu es une femme forte. Gratitude infinie, merci. Tu es une femme forte. Tu ne peux retourner en arrière. Aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Je ne sais pas qui a la bienveillance ou la bonne idée de venir sonner chez moi. Bon. Allez, je vais ouvrir. On a sonné chez moi. Ah! Congratulations! You have seen the glory of God. Thank you.
Ah, donc maintenant le commandement c'est le lion. Super. Que le feu que vous avez reçu ici ne s'éteigne pas. Que le dépôt qui a été en vous, que la cage dont vous êtes sorti ne vous localise plus. Au nom de Jésus. Je libère vos pouvoirs. J'appelle vos clients à vous. Il y a beaucoup ici, vous avez beaucoup de pouvoir, mais il y a cette peur. Vos guides vous disent qu'ils ne vous appellent pas pour vous amener en bas. Ils ne vous ont pas appelé pour vous amener en bas. They have not called you to suffer, to go down. C'est toujours une ascension. Donc je vous bénis. Le lien dans la bio, c'est pour mon WhatsApp. Vous écrivez, vous dites que vous voulez faire partie du groupe. Je bénis des enfants qui vont passer un examen. Ok, c'est bon. J'ai prié pour tes enfants. Je bénis tes enfants qui passent les examens. Ceux qui ont demandé les lavages à distance, vous allez attendre demain. Okay, je les ferai demain. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai fait que les consultations. Donc, le lavage à distance, c'est demain. Voilà. Et puis, on va vous envoyer la vidéo. Je bénis tout enfant qui va avoir un examen. Je bénis vos activités. Je bénis vos pouvoirs. Que ça prenne forme en vous. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes des coachs. Mais vous avez honte. Vous avez peur. J'enlève la peur de ton ventre. Qu'on te montre cette nuit qui tu es. Qu'on te révèle ce pourquoi tu es là. J'active la puissance de tes mains. Allez, mettez un peu les mains sur l'écran. J'active la puissance de tes mains. Je te connecte à tes guides, que tu les écoutes plus que toute autre voix. Certains d'entre vous, vos mains vont chauffer. Certains, ça va picoter. Certains, c'est plutôt les pieds qui vont picoter. Je te restaure, je restaure tes yeux, qu'ils te parlent cette nuit. Et que les messages qu'ils vont te donner, que tu ne les oublies pas. Amen. I bless you. Je vous bénis.